Pour un bon message, sortez, venez voir, écoutez. Mais je viens de mettre tout ça, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe là? Ce batracien, il veut fuir. Un bâtard. Partagez la vidéo, hein. Partagez la vidéo. Je suis obligé de. Essayez de partager, on va framponner la waka. Il est parti, il a fui quoi? Il y a une bordel. Il y a une menteuse. Il y a une menteuse qui vend le piment. Lolo, tu vends le piment, dis donc, laisse les gens tranquilles, fatigue. Fatigue les gens, dis donc. On va revenir sur le morgue après. Un waka comme ça là, il y a une baiser dans la maison conjugale, on t'attrape. Tu viens une baiser dans la maison conjugale, on t'a attrapé. Il dormait quoi? Il dormait quoi? On a attrapé, tu manges le piment. Non. Tagué. On va partir en live. On t'a attrapé. Tu vends le piment. Lolo vend le piment. Papa, faut aller attraper. Elle est en train de gnasse. Quand moi, la panthère a gnasse à la maison, maman, on a attrapé. Maman, on peut gnasse. Laisse le modèle, Lolo. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans la maison de Papa Fodja? Tu n'as pas honte de baiser dans la maison conjugale, maman. Laisse le modèle. Mais j'en ne croyais pas. Hein. Tout ce qu'elle fait là, elle fait semblant. Non. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Pourquoi tu as ouvert la porte, Lolo? Voilà. Pourquoi? Lolo, la première fois, tu as d'abord ouvert la porte à Kamwa, la panthère et le gars là par rapport à quoi? Jusqu'à tu ouvres le champagne, maman. Non. Tout ça parce que tu aimes la baise. Lolo aime la baise très mal même. Elle aime la baise. Elle pleure du mollet maintenant. Oh. Dans le piment. Tu as mal à la tête quoi? La question que nous on pose ici, hein, c'est de savoir pourquoi Lolo a ouvert la porte la première fois. Elle dit qu'ils sont venus trois fois. Écoutez le scénario, hein, c'est très important. Il vous a dit que la femme s'y vend le piment depuis longtemps. Elle ne travaille pas en France. Moi, je vous ai dit, c'est le nom de Flore de l'île qui est gâté ici. Oh, le piment, oh, oh, oh. Lolo même vend le piment.
Elle a même fait pire, venir vendre le piment dans la maison de Papa Fouja. Non, faut arrêter ça, dis donc. On va te laisser. Papa Fouja en souffrance. Tu as mal à la tête comment? On te pose une question, tu dis que tu as mal à la tête. Arrête ça. Hey. Et c'est toi qui... Et c'est encore qui gueule, hein? C'est encore qui gueule. Lolo, pourquoi tu as ouvert le champagne pour quand moi la panthère? C'est qui? Eh, hey, Lolo peut te baiser même à la maison. Dans la maison conjugale, on te baise, maman. Eh, hey. Non, 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 non. Tu vas répondre, hein? Tu vas répondre. Emilien et son babi, babi, babi. Taguez le drogué du... Ah, taguez le morgué, taguez le morgué. Lolo, la première fois, tu as ouvert la porte à Kamwa la panthère. Pourquoi? C'est ça qui nous intéresse ici. Question. Une vraie bordel. Elle est en train de mentir comme elle respire. Papa Fouja demande que tu as ouvert la porte la première fois, pourquoi? Elle n'arrive pas à répondre. Tu as ouvert la porte la première fois, pourquoi? Elle n'arrive pas à répondre. Pourquoi tu as ouvert le champagne? Non, j'ai ouvert le champagne pour qu'ils boivent. Eh, hey, Seigneur Jésus. Je dormais. Tu dormais. Tu dormais. Tu dormais, non? Tu dormais. Voilà. 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 Donc, elle est en train de dire à Papa Fouja que elle a ouvert la porte parce que lui, il dormait. Et elle a ouvert le champagne. Hé, non, la femme, si, non. La borderie que la gassi borde depuis les siècles. Elle n'a jamais avoué. C'est le nom de Moulema qui est gâté. Lolo n'a jamais travaillé en France. Il vous met au défi, vous qui bavadez là. Lolo n'a jamais travaillé en France. C'est une pimentière de bas étage. Quand moi, la panthère a déjà baisé Lolo dans toutes les positions en France. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est une tisa professionnelle, comme vous la voyez là. Lolo est tisa depuis. Elle a passé son temps à tromper Papa Fouja. Même si on me dit que oui, oh, ils n'étaient plus ensemble, machin s'est monté, mais c'est une femme. Une femme ne peut pas vivre comme un homme. Une femme ne peut pas donner son corps à tout le monde comme ça aussi facilement. Parce que vous voulez ou pas, hein, l'homme reste l'homme. Hein. Une femme ne peut pas vivre comme un homme. Tu vis comme ça, là, tu vas te faner. Regardez comment elle est devenue. Elle est devenue bizarre. Elle a fané du jour au lendemain à cause des différents bangalas. À cause des différents pénis qu'elle encaisse par-ci, par-là. À combien? Et j'ai suivi l'autre qu'on appelle c'est pis-pis, le sac d'oignons. Que oh, Lolo travaille. Pis-pis, Lolo travaille où? Lolo n'a jamais travaillé en France, je suis désolé. Mais c'est devant sa fille. Qu'est-ce que vous croyez, Rose de la Delfolie? Vous pensez qu'elle fait ça où? Elle fait ça, la fille là, sa fille à la maison. Qu'elle se prostitue, sa fille à la maison. Parce que là, maintenant, elle a mis ça sur sa fille. Comment Papa Fouja est en train de dormir? Toi, tu fais entrer ton baiser. Il faut être une sorcière pour faire ça. Moi, je vous ai dit que la femme, si, elle est méchante. Elle est dans son modèle. Chez moi, c'est la police de venir t'interpeller. Je t'ai dit, j'ai dit qu'on ouvre pas la porte.
Question. Il y a une question qu'elle ne va jamais répondre. Tout le cinéma qu'elle fait pendant cette vidéo, c'est pour finalement mettre le tort sur Luso Gloria. C'est pour finalement mettre le tort sur la petite fille là. Je répète que pendant toute la vidéo, elle ne répond jamais à la question. Pourquoi tu as ouvert la porte la première fois? Elle ne va jamais répondre à cette question-là. Écoutons. Elle évite de répondre à la question. On lui pose la question. Pourquoi tu as ouvert la porte la première fois? Tout le monde est connecté. J'ai lancé le direct. Elle ne répond pas à la question. Hein. On demande... Pourquoi tu as ouvert la porte la première fois? Non, j'ai lancé le direct. Tout le monde est connecté. Où est le rapport avec la question principale? La question de fond, c'est de savoir pourquoi tu as ouvert la porte à ton baiseur. Et pour ceux qui ne savent pas, Papa Fodja sait très bien que quand moi la panthère baise Lolo et Papa Fodja est au courant, vous vous rendez compte? Parce que ce n'est pas caché. Tout le monde dans l'entourage la connaît que Lolo est folle amoureuse de Kamo la Panthère. Elle vous a berné pendant des années en vous disant que c'est mon frère. Si vous voulez vous taguer même Kamo la Panthère, si je m'en fous. Elle a passé le temps à vous berner pendant des années que Kamo la Panthère c'est son frère. C'est mon frère. C'est de l'arnaque. Et le drogué du Havre de comme le Mougou était toujours jaloux. Il n'aimait pas quand il lui disait que Kamo la Panthère baise ça. Sous ce sûr. Parce que le morguier, lui, il est tout là, il fantasme que derrière. Les gars, tu ne vas jamais baiser Lolo. On est où aujourd'hui? Le voilà qui appelle Lolo Tata, non? Il passe le temps à appeler Lolo Tata, Tata, Tata. Seuls ceux qui ne sont pas proches ne sont pas au courant que Kamo la Panthère baise avec Lolo depuis des années. Kamo la Panthère baise avec Lolo depuis des siècles. Tout le monde sait que c'est la vérité que j'ai dit. C'est la vérité que j'ai dit. Quand moi la panthère baise le loup partout, c'est une chienne. Même Papa Fodja lui-même sait que elle est amoureuse de quand moi la panthère. Comme vous la voyez là. Devant quand moi la panthère, elle devient comme un toutou. Elle devient petite, elle obéit. Alors qu'elle connaît la femme de quand moi la panthère, comme vous voyez la sorcière là que vous voyez là. Et c'est pour ça que je ne peux pas accepter que le morguier de comme le Mougou insulte Marie Mendy. Ce sale type que vous voyez, il a insulté son enfant aujourd'hui, son propre sang. Quelqu'un qui renie un enfant tous les jours, mais aujourd'hui il sort la photo pour dire que c'est son enfant. Vous voyez que les hommes sont méchants. Je suis un homme, mais je reconnais la méchanceté de beaucoup d'hommes. C'est pour ça que vous voyez certains enfants que les parents ont abandonnés comme ça là. Quand ils réussissent, ils ne veulent même pas sentir les pères, les parents là. Tu ne peux pas abandonner un enfant. Un jour, si l'enfant là réussit, tu viens là dire que c'est ton enfant. Il ne va pas t'accepter. Il ne peut pas t'accepter, frangin. Tu ne peux pas. Insulter ton propre sang. Tu ne peux pas. Tu peux pas. C'est trop facile. C'est vraiment trop facile, le morguier. Tu ne peux pas. Vous allez écouter. Hein? Écoutez. Écoutez le morguier. Écoutez ce sale type. Donc le morguier est démasqué.
Il est démasqué. Ce sale type est démasqué. Voilà. Regardez la photo d'un enfant. Il est en train de montrer la photo. Il expose l'enfant qu'il a régné. Il dit que ce n'est pas son enfant, mais il a la photo de l'enfant. Je vous ai dit que ce type-ci est diabolique. Ça, c'est un pervers narcissique. Comment tu peux dire qu'un enfant de cet âge-là est méchant? Je n'ai fait aucun montage. J'ai reçu tout ce que je vous montre là. C'est-à-dire, c'est comme j'ai reçu que j'ai posté, comme vous voyez là. Je n'ai pas fait de montage. Il a publié la photo de cet enfant. Un enfant qui renie. Un enfant qui, selon lui, ne l'appartient pas. Mais il a la photo de l'enfant. Vous voyez que le type, si c'est un irresponsable, et c'est quelqu'un de foncièrement méchant. Écoutez la suite. Hein. Il est en train de dire que son fils était jaloux de lui. C'est pour vous démontrer la méchanceté de ce papa de 65 ans. Un enfant qui renie tous les jours. Mais là, subitement, comme je le framponne tous les jours, il est condamné à venir se blanchir. Moi, je vous ai dit, une caractéristique des pervers narcissiques, c'est leur image. Les pervers narcissiques polissent toujours leur image à l'extérieur. Le pervers narcissique fait toujours attention à son image au détriment de l'autre. Si tu veux voir le vrai visage d'un pervers narcissique, c'est quand vous êtes à deux, une place. Mais à l'extérieur, il est quelqu'un de bien, quelqu'un de serviable, quelqu'un de humain, quelqu'un de compatissant, quelqu'un d'empathique. Mais à l'intérieur, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui n'assume jamais ses torts. Il n'assume jamais ses erreurs. Le pervers narcissique est l'éternelle victime. Le pervers narcissique est toujours l'éternelle victime. Ce type, c'est un pervers. Il va même jusqu'à insulter l'enfant. Tu as été incapable de reconnaître un enfant. Au lieu d'avouer ton erreur, au lieu de reconnaître ton tort, qui peut dire qu'il a 10 sur 10 dans sa vie? Qui peut dire qu'il n'a pas de casserole? Moi-même qui parle là, qui vous dit que je n'ai pas les trucs à me reprocher? Mais dans la vie, il faut être humble. Il cherche à tout prix à salir l'enfant là, à salir la mère de cet enfant. Et c'est ça que moi je ne permets pas. Moi je ne peux pas accepter que toi, tu passes le temps à te blanchir parce que tu dois montrer à Lolo et à toute la bande que non, tu es exemplaire. Tu es blanche-neige, tu n'as rien fait de mal. Mais c'est faux. C'est archi faux. Tu n'es pas dans la vérité de comme le Mougou. Tu es diabolique. Tu es pervers. Et ça, il faut que quelqu'un te le dise. Tu ne peux pas insulter l'enfant là. Il n'a pas demandé à venir au monde. Cet enfant n'a jamais demandé à venir au monde. Tu passes même le temps à dire que c'était un coup d'un soir. Mais ce n'est pas la vérité. Tu dis qu'il n'y a jamais rien eu entre vous. Mais tu as pris la photo là-haut. Où as-tu pris cette photo? De comme le Mougou. Où as-tu pris cette photo? Un enfant qui n'est pas le tien. Tu cries ici tous les jours, non? Parce que pour ceux qui ne savent pas, il est framponné. Je lui fais ça, Dieu. Il est traumatisé. Il a perdu le sommeil. Et je le dis encore, c'est la première étape. Tu vas te déshabiller ici dans Facebook. De comme le Mougou. C'est moi qui te dis ça. Tu vas marcher nu ici devant nous. Parce que je ne vais pas te laisser faire. C'est impossible. La première question qu'on doit se poser, un enfant qui n'est pas le sien, où il a pris la photo? Ça, c'est la première question. Hein. Vous qui partez l'encourager là-bas, demandez-lui où il a pris la photo d'un enfant qui n'est pas le tien, qui n'est pas le sien. Chambre, mais mon ami, c'était la magie, donc gardez-le, bagarre.
Dans le morgue de comme le Mougou, c'est un irresponsable. Voilà la preuve que c'est le père de cet enfant. Il a les photos de l'enfant. Il est en train de vous expliquer que l'enfant regarde comme lui et que l'enfant est jaloux de lui. Vous voyez que la drogue, toutes ces substances-là ne sont pas bonnes pour tout le monde. Le morgue que vous voyez là ne supporte pas la drogue. Non, toi, je te bloque directement. Et je suis sûr que c'est Bertrand Chixomon, je te bloque. Maxi FJ, je te bloque direct et te bannis de ma page. Hypocrite. Voilà, tu es banni. Je suis sûr que c'est toi. Je t'ai bloqué là-bas de l'autre côté. Tu penses que tu devais venir ici faire ça? Je vais te bloquer partout. Maxime FJ, là, je vais te bloquer partout. Voilà. Je suis sûr que c'est toi, Bertrand Chixomon. Je parie que c'est toi. Bon, maintenant, je peux aussi me tromper. Hein? Mais en tout cas, j'ai ma petite idée de qui tu peux être. Donc, on va réécouter. On va réécouter. Je vais te déconstruire. Je vais déconstruire tous tes mensonges. Je vais blanchir Marie Mendici. Un bâtard comme ça, là. Personne n'est responsable de ta chute de comme le Mougou. Tu es diabolique, un pervers comme toi. On va écouter. Je ne suis pas un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Regardez, vous voyez comment il est méchant. Depuis son bac, regardez. Il regarde en caïman. Regardez vous-même. Vous voyez, le gars, je vais vous dire la vérité. Le gars, si le jalousait. L'enfant est jaloux. Hein? L'enfant était jaloux de son père. Vous voyez, un drogué comme ça. C'est moi. Le morguier dit que quand l'enfant quittait de sa chambre, l'enfant venait bagarrer avec lui. Le morguier n'a pas dit ici qu'il ne connaît pas cet enfant. Le morguier n'a pas dit ici qu'il n'a jamais vécu avec Marie Mendy. Le morguier n'a pas dit ici qu'il n'a jamais consommé cette relation-là. C'est simplement pour vous faire comprendre que ce type est diabolique et très méchant. Le morguier, le grand-père, le totem que vous voyez là-bas, ah, voilà, c'est un démon. Voilà, dans le morguier, tu es démasqué. Tu vois que tu es démasqué, non? Tu es démasqué. Toi-même, tu as apporté les preuves. Et c'est comme ça que je vais te traiter. Je vais utiliser toutes les erreurs que tu vas commettre pour te mettre à nu. Et je sais une chose. On est tous mélangés dans Facebook, mais nous ne sommes pas même chose. Dans Facebook et dans les réseaux sociaux en général, il y a les gens qui réfléchissent. Il y a les gens qui sont capables de produire la réflexion. Et tous ceux qui sont un peu intelligents connaissent que tu es un irresponsable. Dès comme le Mougou, tu es un irresponsable. Ta parole ne vaut rien. Ta parole est nulle. Tu es un pervers narcissique. Et comme tous les pervers narcissiques, tu présentes les mêmes critères. Tu fais toujours attention à ton image. C'est toi et toujours toi. Tu veux toujours te blanchir au lieu de reconnaître tes torts et sauver ce que tu peux sauver. Il n'est pas encore majeur. Il aura 18 ans l'année prochaine. Si tu voulais reconnaître ton sang, tu devais aller reconnaître que cet enfant. Mais tu es un ingrat avec tout ce que Marie t'a fait, tout ce que Marie Mendy a fait pour toi. Qu'est-ce que tu trouves à faire? C'est de la ramener dans les réseaux sociaux pour l'humilier, pour la salir au détriment de la prostituée de Lolo. Voilà, cette vendeuse de piments de bas étage. Parce que c'est ce que tu fais.
au détriment d'une racaille comme Lolo. Mais je te dis encore, Marie Mendy et Lolo, il n'y a pas match. Lolo, c'est la racaille, c'est la basse classe. Lolo n'est même pas intégré, c'est une villageoise. Lolo ne sait même pas se tenir à table. Elle ne sait même pas comment tenir le couteau ni la fourchette. C'est une grosse villageoise. Lolo n'a même pas de permis de conduire. Elle est en Europe depuis bientôt 20 ans qu'elle est en Europe. Elle a quel diplôme? Elle a quelle attestation? Elle a quel certificat? Toi, tu veux comparer Lolo à Marie Mendy? Tu veux salir Marie Mendy parce que tu protèges une pute comme Lolo? Je ne vais pas te laisser faire. Crois-moi, tu vas me trouver devant ton chemin. Je ne peux même pas te laisser faire. Un vieillard, 65 ans, un raté. Tu dors au salon en France. Après toutes ces années que tu as vécu en Europe, tu dors dans un canapé. Tu n'as pas honte de comme le Mougou. Tu dors au canapé. Tu n'as pas d'appartement à ton nom. Prouve le contraire si tu es un homme. Tu ne peux même pas recevoir une femme à la maison. Tu n'as pas le chez toi de comme le Mougou. C'est toujours dans des motels où tu vends ta drogue à ces prostituées. Parce que pour ceux qui ne savent pas, ils vendent aussi le ndepa. Le morguier vend le ndepa. Oui, ils vendent le ndepa au Waka, qui sont là-bas au Havre. C'est un distributeur de ndepa, comme vous le voyez là. À part son travail digne, qui était la soudure. Parce que je ne sais pas pourquoi il a réussi à laisser son travail pour devenir blogueur. Et tout ce qu'il fait là, c'est à cause de la monétisation. Je vous ai dit que les réseaux sociaux, si vous n'avez pas de la retenue, vous allez commettre l'irréparable. Ce type est en train d'exposer sa famille comme ça à cause des réseaux sociaux. Hein. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est à cause des réseaux sociaux. L'handicapé que vous voyez là, qui insulte un enfant, il insulte son propre enfant. Est-ce qu'un père normal peut afficher son enfant comme il est en train de faire là? Ils vont dire que c'est le montage. Je n'ai fait aucun montage. Je n'ai fait aucun montage. J'ai posté comme j'ai reçu. Est-ce qu'un père digne peut exposer son enfant? Écrivez en commentaire, je vais lire. Est-ce qu'un homme qui a toutes ses facultés mentales peut exposer son enfant? Un parent normal donnerait sa vie pour protéger son enfant? Un papa normal ferait tout pour protéger sa famille? Mais à cause de la monétisation, vous voyez jusqu'où les gens peuvent aller? À cause des réseaux sociaux, les gens sont prêts à vendre leur âme au diable pour la gloire, pour le pouvoir, la reconnaissance. Mais je te dis encore ici, le Mougou, on ne te connaît pas des comme. Personne ne te connaît. Personne ne te connaît. Arrête de prendre le ndepa. Ça ne te convient pas. Un sale type comme des comme le Mougou là. Avec les, des, je sais pas moi, des étoffes, les morceaux de tissu qui l'attachent partout sur la tête. Ou c'est un fou. Tu es vieux. Il est parti maintenant mettre un vêtement là. Il a mis le long cou là pour cacher la peau du cou. Parce que j'ai dit, même si tu caches ton cou, tu es vieux. La peau de ton cou est tombante comme celle de mes sangs. On va tous vieillir. Hein? Ce n'est pas mauvais de vieillir. Mais ce n'est pas parce que tu vas cacher ton cou que je vais te laisser. Comme je l'ai framponné hier que la peau de son cou est rideuse comme pour mes sangs. Aujourd'hui, on m'envoie la capture d'écran. Je vois qu'il a, mis le long cou pour cacher la peau de son cou. Mon frère, tu vas lire dans mes mains. Personne ne peut te sauver. Hein? Et il te dit que où tu es là, personne ne peut te sauver. Même Lolo ne peut pas venir clasher avec moi. J'ai les arguments. Je ne pars pas insulter les parties intimes comme toi tu fais. Non, je ne suis pas là-bas.
Je ne peux pas accepter que tu exposes Marie Mendy et tu valorises une prostituée comme Lolo. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Tu es une personne âgée de comme. Tu dois quitter. Va en retraite. Il y a quoi de mal? Il y a quoi de difficile dans ce que je suis en train de dire? Il y a quoi de mal? Voilà quelqu'un qui est en Europe depuis 20 ans. Il dort au canapé. Il n'a pas de chambre comme vous voyez la saleté là. Il n'a pas une chambre qui l'appartient. Et quand vous le voyez, il se coiffe toujours là comme ces trucs là où c'est la crête là qu'il laisse comme si on a chié sur sa tête. Il a la gale sur la tête. C'est pour ça que vous voyez, il cache la tête. Il attache sa sale tête là avec le sale morceau de tissu là parce que il a la gale, il a l'infection là sur la tête là. C'est pour ça que vous voyez, il cache sa peau là. Les yeux sont toujours rouges. Et vous allez voir, il cache ses yeux. C'est un handicapé comme vous le voyez là. Et c'est lui qui insulte le physique des gens. Je ne peux pas laisser. Je vais laver l'image de Marie Mendy. Le temps qu'il me reste à faire dans Facebook. Parce que j'ai contribué à salir cette femme. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais insulté. Hein. Moi, je ne l'ai jamais traité. Il n'y a que lui et D'Angelo Black. Moi, j'ai toujours vraiment eu de la retenue parce que je me suis toujours dit, dans une histoire, il faut toujours écouter les deux versions. Il faut toujours écouter les deux versions. Et quand je me rappelle que Lolo a insulté Marie Mendy en tant que femme, j'ai mal. Lolo est méchante de la même manière que le drogué que vous voyez là. Lolo n'a pas de cœur, elle est sans sentiment. Et c'est comme ça que Lolo est ingrate. De la même manière que Decom est ingrat, là, c'est comme ça que Lolo est. Toutes les belles personnes qui étaient autour de Lolo sont parties où? Tous ceux qui étaient là pour Lolo un jour sont partis où? Eh bien, ils ne sont plus là. Ne voyez pas l'hypocrisie qu'ils font là, hein? Les Julien Zombie, les tout ça, les Tiamafok, tout ça, c'est l'hypocrisie. C'est Julien Zombie qui donne l'enregistrement des ronflements de Lolo à Thérèse Tiamafok. Ils ont l'enregistrement des ronflements de Lolo, hein, comme vous les voyez là, des hypocrites. Les gens qui ne s'apprécient pas, mais ils sont toujours ensemble. Ou c'est la sorcellerie, ou c'est un pacte, ou c'est quoi. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Comment Lolo peut dormir? Vous êtes au téléphone. Elle est en train de ronfler, vous enregistrer. Ce n'est pas la sorcellerie. Dès comme le Mougou, tous ceux qui t'aimaient vraiment sont où? Tous ceux qui t'aimaient vraiment sont où? Où est Jenny Junior? Où est D'Angelo Black? Dès comme le Mougou. Où sont tes vrais amis? Tes vrais amis sont où? Tu finis toujours par trahir tout le monde. Comme Lolo, c'est la même chose. Tu finis toujours par trahir tout le monde comme pipi. Une waka. On vient te baiser dans la maison conjugale. Et toi, tu viens parler. On vient te gnasse dans la maison conjugale. Papa Fodja pose la question. Pourquoi tu as ouvert la porte pour la première fois? Pour que quand la panthère vienne te baiser. Elle ne veut pas répondre. Non, j'ai lancé le direct. Tout le monde est en live. Non! Pipi. Pipi, pipi, pipi. Pipi, une waka. La honte. Non, tu manques. Là, quand la panthère a fini de baiser, elle a peur. Elle fait maintenant semblant de pleurer pour dissuader Papa Fodja qui ne sait rien passer. Papa Fodja pose une simple question depuis là. Qui a d'abord ouvert la porte pour la première fois? Elle est en train de mettre ça sur Louise Gloria, la pauvre. La pauvre va encaisser. Il demande à Gloria comment? Est-ce que c'est Louise Gloria qui a ouvert le champagne, Lolo? Est-ce que c'est Louise Gloria qui a ouvert le champagne? Comment tu ne sais pas que Kamo la panthère est là, mais tu ouvres quand même le champagne que vous avez bu pendant la partouze? Parce qu'il y a eu partouze là-bas. Hein? Il y a eu tous pas. Parce que Papa Fodja était sous, il dormait lui. Elle, qu'est-ce qu'elle trouve à faire? C'est de faire entrer
calme la panthère. Et je vous dis, de sous ce sur, cette fille est amoureuse de Kamo la panthère depuis des années. Kamo la panthère baise Lolo depuis longtemps. Kamo la panthère baise Lolo depuis longtemps. Pourtant, Lolo sait que Kamo la panthère est mariée. Et le drogué du Havre est là. De comme le Mougou, tu ne peux pas nias Lolo, gars. Je suis désolé. Tu ne peux pas nias Lolo. Lolo ne peut pas, elle ne peut même pas t'accepter. Moi, elle connaît. Lolo t'utilise seulement comme, voilà, son instrument de haine. Mais je vois mal Lolo se déshabiller devant toi, de comme le Mougou. En plus, même tu as l'éjaculation précoce. Hein? Tu ne peux même pas avoir un rapport sexuel normal, le Mougui. Et Lolo qui aime la baise, là. Tu ne peux pas satisfaire Lolo. Bon, peut-être s'il y a le sextoy, peut-être, voilà. Tu peux tchouka avec l'éclat de ruche, ou c'est l'éclat de ruche. Le truc, le vibromasseur, voilà. Peut-être oui. Mais dis que avec ton petit phallus, là. Je ne suis pas sûr que tu peux vraiment nias Lolo, hein. Parce que Lolo aime vraiment la baise, hein. Ce n'est pas la blague. Mais tiens, là-bas, dans la première fois, les tiens, faut comprendre. Mais là, il a fui avec les autres, mais je vois le téléphone. La première fois, il a fait comment? Pourquoi il fuit? Il y a des fois, tout le monde est connecté, j'ai la somme de direct. La première fois, il a fait comment? Quand nous sommes rentrés. La première fois, quand moi, la panthère a fait comment pour entrer? Tout le monde est connecté, j'ai lancé le direct. Où est le rapport? On te pose une question, toi, tu parles d'autre chose. Et vous allez voir. Elle va essayer de tourner Papa Fodja en bourrique pendant toute la vidéo pour éviter de répondre comment Kamo la panthère a fait pour entrer à l'intérieur. Parce que la pipi, cette bordel de Lolo, voilà, n'a plus de... C'est-à-dire, elle n'a plus... C'est-à-dire, elle a jeté la honte au chien. L'ingratitude, alors n'en parlons même pas. Exactement comme vous voyez le morguier là. Écoutez la suite. Même pas le chien, il m'a fait une bébé, les chiens font place de voiture. Il les a fait pour les filles. Mais je t'ai aussi. Mais pourquoi tu m'as pas dit? Mais tu m'as pas dit pourquoi? Et pourquoi tu m'as pas dit? Et tu m'as pas dit? Réponds. J'étais vêtu, dormais. Tu dormais quoi? Ah, dis donc, laisse-moi un peu. Ils ont mis une deuxième fois. Mais tu veux le champagne? Tu veux le champagne? J'ai l'enfant, j'ai déjà buvé le champagne. Pourquoi tu veux le champagne à quelqu'un? Voilà qu'elle dit qu'elle ne sait pas comment, quand moi la panthère, son show a fait pour entrer. Mais maintenant, elle dit qu'elle a ouvert le champagne pour qu'ils boivent. Vous voyez comment cette femme est méchante. Elle n'a pas de cœur. Moi, je vous ai dit que Lolo n'a pas de cœur. C'est une sans cœur. Tu fais entrer ton baiser pendant que ton mari dort. Hé, Lolo. Et c'est ça que le sale tipsy, que le drogué du Havre veut comparer Marie Mendy. Hein? Regardez. Attendez, je mets bien. Il est parti aujourd'hui. Il a exposé son fils. Parce que même de comme le Mougou, c'est un autre pisseur, pour ceux qui ne savent pas. C'est un autre pisseur, hein? Vous allez voir. C'est un autre pisseur. Oui. Le gars pisse comme Lolo pisse même elle-même là aussi. C'est un autre gros pisseur. Un clochard comme ça là. Tu exposes ton propre enfant, mon frère. Et des comme le Mougou. On t'a fait ça au village. Oh mon frère, vous fiez un peu pourquoi? Allez, ah, fallait ça. Gloria, Gloria, le gars a dit mais que tu es dans la piscine. Gloria, 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 j'ai demandé, quand le gars est venu chez une deuxième fois, il t'a dit que quoi, pourquoi tu veux la porte? Il a oublié son téléphone, et il a regardé, il a entré, il a regardé, il a vu le téléphone. Il est ressorti. Ouais, la pauvre Louise Gloria. Il a ouvert la porte. Il est venu maintenant deuxième fois. Tout ce qu'elle a en train de faire là, elle est en train de faire semblant. C'est le modèle. C'est le modèle. Et pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, la vérité est que elle était déjà saoule elle-même. Quand elle a pris le nid de pas, elle a bu, elle perd le contrôle. Vous comprenez, non? Et Papa Fodja, impuissant, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que Papa Fodja peut faire? Comment tu dis que tu ne sais pas comment Kamo est entré?
et tu ouvres quand même le champagne. Vous voyez que ça, c'est une bordel. Ça, c'est une waka de Tandaïdio. Elle niasse depuis où c'est le Gabon, le Tchad, la Guinée équatoriale, la Suisse. Une gars qui a fait la Coupe du Monde où c'est la Champions League de la bordellerie, maman. Hmm? Papa Fodja ne pouvait que voir du feu. Papa Fodja n'a vu que du feu. Lolo manque comme elle respire. Comme vous voyez le morguier. Le morguier dit que non, ce n'est pas mon fils le matin. À midi, c'est mon fils. Il sort les photos. Oh, il était jaloux de moi. Oh, il me regardait mal. Et on peut changer de bouche. Mais voici, c'est trois fois. Première fois, tu as jamais ouvert la porte. Puis, tu as dans le champagne. Pourquoi? Papa, le gars dit que c'est la première fois. La première fois, tu as ouvert la porte. Pourquoi? Tu as offert le champagne. Pourquoi? Ça, c'est les questions que Pipi ne va jamais répondre. Pipi ne va jamais répondre. Pourquoi tu as ouvert la porte à Kama la Panthère? Pourquoi tu as ouvert le champagne, Lolo? Parce que tu aimes la baise. Parce que la baise est des détails. On peut tanner quelqu'un comme ça là, Lolo. Hé, hey, Lolo, Lolo avec la gnasse. Lolo avec la gnasse. Hey, j'ai jamais vu une gars qui aime la gnasse comme Lolo. Hé, hey, Lolo, il faut arrêter ça, hein. Une femme ne doit pas aimer la gnasse comme ça, Lolo. Tu exagères. Tu exagères, Lolo. Je ne dis pas que la gnasse n'est pas bien, mais moi, je vois que tu aimes un peu trop la gnasse pour ton âge. Depuis que tu gnasses là, Lolo, tu n'as pas encore... Voilà. Tu n'es pas encore rassasié, mamie. Mamisa. Depuis que tu ne tournes là, maman, tu es toujours là dans la gnasse. Tu es toujours là. Quand on parle de la gnasse, ton nom est toujours là. Quand on parle de la ntouma, ton nom est toujours là. Mais c'est incroyable. Hein? Il faut arrêter ça. Mais Lolo, tu exagères. Tu exagères, mamie. Là. Hein? Donc, ça veut dire que même à 65 ans, tu vas continuer à ntouma, maman. Donc, pour toi, il n'y a pas la retraite, Lolo. Donc, il n'y a pas la retraite. Même si c'est que c'est la machine, mais je ne sais pas. On a même dit que, on a même vu même ta banque. On dit même que le nom de la banque là, c'est Ntouma Bar. Ou c'est Ntouma Bar. Ou c'est la vérité. Ou ce n'est pas la vérité. Moi, je ne sais pas. On dit que le bar là s'appelle Ntouma Bar. Que là-bas, on Ntouma seulement, maman. Lolo aime la baise. Lolo aime trop la baise. Mais la digne à soeur, vous voulez quoi? La digne à soeur. Et moi aussi, trop la baise, Lolo. Tu exagères avec la baise. Tu exagères, Lolo. Pour calmer ton cœur. Hein? C'est la machine. Les enfants des gens. Elle se vante, elle se vante avec la baisse. Ah bon, hein? Alors, non, mais le corps se fatigue. Mais est-ce que Lolo comprend ça, Florie Mengue? Est-ce que Lolo, elle gère que le corps se fatigue? Elle sait seulement qu'elle va en tout bas tout le temps, hein? Ah bon, hein? Ouais, Lolo aime la minda, maman. Elle aime la minda. Hey. Tout ce qu'elle parle, ça a toujours un rapport avec la queue. Elle est toujours en train de parler de la gnasse. Et quand elle parle de la gnasse, elle se sent à l'aise. C'est un sujet, quand elle parle de la gnasse, là, elle se sent tellement bien qu'elle parle de l'entouma. Avec passion, en fait. On va faire une petite transition. Pour ceux qui ne savent pas, au Cameroun, ça fait exactement 47 jours que le président de la République du Cameroun est introuvable. On ne sait pas ce qui va se passer. Et le numéro 2, le président du Sénat. Oui, ici c'est le président du Sénat. Oui, c'est Niad Difendi, est aussi malade.
il est en France. Donc, les Camerounais ne savent pas exactement ce qui se passe. Et il est interdit au Cameroun en ce moment d'aborder le sujet concernant la santé du président de la République. C'était juste une petite transition. Hein. Voilà, comme pour vous dire que malgré qu'on est dans le Japap, on reste attentif sur l'actualité du pays. Voilà, on repart. Lolo, tu es vieille, laisse tes trucs que tu vas bouiller un gars, non, laisse ça. Tu es vieille. Moi, tout ce qui me dérange dans son histoire de baisse, elle n'a jamais réussi Agnès avec des comme le Mougou. Quand moi la panthère en tout massa, quand moi la panthère tout moi même tout Lolo, les gnats, du Camé même a vu ça sans caleçon. Du Camé a même vu ça sans caleçon. Du Camé même a vu Lolo sans caleçon. Oui, du Camé même a vu Lolo sans caleçon. Vous vous rendez compte? Il y a le saumon qui veut monter. Même Ducamé a vu Lolo sans caleçon. Mais pourquoi elle n'arrive pas à Agnès Dekom avec tout le sale que Dekom a déjà fait pour Lolo? Parce que Dekom insulte par procuration pour Lolo. Pour ceux qui ne savent pas, quand on prononce le nom de Lolo quelque part, le morgue entre en transe. Il entre en transe. Il entre en transe. Et la seule récompense que ce dernier a de Lolo, c'est qu'elle monte dans ses directs pour dire que tu es loyal, tu es beau, tu peux être égérie d'une marque. Mais Lolo, c'est méchant de ta part. Dekom, c'est le plus vilain de tous les blogueurs, le plus crasseux, le plus sale. Bertrand, fais un commentaire, je te prends sur le commentaire directement. Moi, je vous dis, hein, Dekom, le Mougouma a avoué plusieurs fois qui c'est qu'il est laid. Et c'est moi qui le remontais le moral que non. La beauté d'un homme, c'est son travail. Un homme qui travaille ne peut pas être laid. Un homme qui travaille ne peut pas être laid. C'est moi qui le remontais le moral. Il dit que non, tu peux la baiser. Mais il faut que tu t'imposes, il faut que tu sois charismatique. Et cela passe par le comportement, par l'attitude. Tu ne peux pas vouloir baiser une femme et tu appelles encore la même femme tata. Ça n'a pas de sens. Quand tu appelles tata, tu te rabaisses déjà, tu te diminues. Tu tues ton charisme. On est où aujourd'hui? Tous mes efforts sont partis dans l'eau. Il n'a jamais niassé Lolo jusqu'aujourd'hui. Si même Ducamé a vu Lolo nu, ça veut dire que toi, tu peux tout ça. Et en plus, à l'époque, on ne framponnait même pas Lolo. C'est seulement Compressor et Flo qui ont lu l'heure. Non, mais je le prends. Bertrand, je ne sais pas, peut-être tu es signalé. Hein? Je ne sais pas, essaie de ramener un autre profil. Je ne te mens pas. Hein? C'est sûr que peut-être tu ne vas pas croire, mais je te jure que je suis en train de te prendre. J'essaie de te prendre. La preuve, les images, les photos sont quittées. Quand tu veux prendre quelqu'un, si tu as mis les photos là, ça va quitter automatiquement. Bertrand, essaie de ramener... Bon, là, maintenant, tu n'as même pas de caméra. Soit tu sors du direct et tu reviens. Ou bien je vais essayer de te prendre sur le tableau de bord. Attends, je vais essayer de te prendre sur le tableau de bord. Oui, sors du direct, tu essaies de revenir. Voilà, je vais encore essayer. Hein. Là, je vais encore essayer. J'espère que ça va prendre. On va écouter Donna Benja.
Donna Benja, elle a dit qu'elle aime la nias maman. Maman, va toi, Agnès, maman, va vendre ton piment. Tu avoues que tu es une prostituée, tu n'as même pas honte. Tu te dévalorises toi-même. Mais Bertrand, essaie alors d'envoyer le truc. Bon, peut-être qu'il ne voulait pas aussi vraiment monter. Tu sais, parfois, les gens font comme ça alors qu'ils ne veulent pas monter. Mais Jean Zobo, est-ce que le morguier peut venir monter dans mon live? Le morguier a peur de moi et il se remet. Échec de connexion. Mais là, tu es exagéré, dis donc. Non mais pour dire vrai, le lait exagère avec la baisse, hein. À l'âge là, cette machine à tout. Et ça va marcher avec parce que la seule machine va marcher avec parce que. Non, est-ce que le lot peut baiser avec le morguer? Le morguer, ça marche pas. Un bagnasse, le morguer, c'est le comme. Mon bébé, il a 36 ans. Ouais, le français a 36 ans. Non, tu mens, elle n'a pas de gars. Tout ce qu'elle raconte là, c'est les conneries. Aucun homme ne peut assumer Lolo. Voilà, la bande là, les lolos, voilà, les flots de l'île, tout ça c'est les prostituées. Aucun homme ne peut assumer ces filles-là comme voilà, comme leurs copines, comme leurs conjoints. Vous comprenez, non? Voilà, qui peut prendre Lolo comme une femme au Cameroun? Personne. Les lolos, c'est les teasers, c'est les femmes qu'on prend quand on a un peu d'argent pour jouer, voilà. Voilà, quand tu veux gnasse pour faire tes fantasmes, tu appelles les trucs comme Lolo comme ça là. Voilà, quand tu entends comment Lolo s'exprime là, hein? Toi, tu penses que quel homme sérieux peut prendre ça pour mettre chez lui? Jamais de la vie. Hein? À 60 ans, hein? Papa Fodja était le seul qui pouvait encore garder le lot. 60 ans. Mais ce n'est plus la même chose. Il y a la, voilà, la nouvelle génération qui est déjà là. Quand tu as déjà 40 ans, tu as 50 ans, mais tu n'es pas casé, mais ça craint. Ne nous mentons pas. Et Lolo que vous voyez là, elle aime les petits. Elle aime gnasse les petits. Elle aime gnasse les enfants comme tu l'as. Et elle-même, elle ne cache même pas. Ça, c'est aussi un truc qui me plaît chez elle. Quand elle a pris son départ, elle vient en direct, elle verse tout. Elle ne manque pas. Elle dit qu'elle aime gnasse les petits. Hein? Le petit journaliste là. Comment on appelle le journaliste là? Comment on appelle le gars là? Ou c'est Mbia? Ou c'est Mbia quoi là? Ou c'est quoi? Ou c'est quoi Mbia? Le journaliste là qui est baisé là, qui l'a barré même là, non? Oh. Il y a un petit journaliste là, un petit gars là, qui n'a même pas 30 ans là, qui est baisé, qui est parti au Cameroun. Le gars là, on appelle même comment? Paul Desibia. Paul Desibia. C'est les petits frères de Lolo. Lolo baise Paul Desibia. Ce sont les petits enfants, là, les VP de Londres. On dit que les VP de Londres ont baisé Lolo. Il y a aussi un autre là. Il y a un autre jeune là, on dit même que le maire ou c'est Yoki, on en a même à baiser ça. On dit que c'est une gars qu'on tape, les gars là tapent Lolo n'importe comment là-bas, après on chasse les conneries. Lolo c'est un peu une gars ça. Parce que Lolo c'est une femme, dis donc. Lolo c'est le Watafoufou. Vous connaissez même combien de gars ont des agnias Lolo là-bas entre eux là. C'est l'anarchie du deuil. Les VP de l'or, les pots de. On dit même que la femme de Pau Desi. Où c'est Paul Desibia a menacé qu'elle ne veut plus que Lolo prononce son nom. Vous vous rendez compte? C'est une waka confirmée. C'est l'arachide. C'est même, quand on dit même waka, même c'est donner même l'importance à Lolo. Lolo, c'est une perdue. C'est l'arachide. Lolo, c'est le genre de ngake, les gars. Quand elle arrive, elle dit que, gars, le bois là, le chamois là, gars.
Les gars tapent ça n'importe comment. On va dire que c'est le clash, non? Ce n'est jamais le clash. C'est la vérité. Écoutez comment elle s'exprime. Elle dit qu'elle ignace tous les jours. Vous vous rendez compte? Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sortir ce que j'ai dit de son contexte pour dire que je l'ai insulté. Non! Je ne suis pas en train de l'insulter. C'est la vérité. C'est la vérité. Les gars et quand? Tape Lolo n'importe comment, c'est l'arachide. Les gars tapent ça n'importe comment. L'autre tape, il prend, il tape. Pau Désir a tapé. VP de Nantes aussi a pris, il a tapé. Les Bayoki, les Meyoki, on en a tous les grands là, là-bas, on les tape ça comme ils veulent. Et comme elle ne travaille pas, elle n'a pas l'argent, c'est une mendiante. C'est une mendiante, c'est une fille qui a faim, comme vous voyez là. Une matière qui a un bain, qui ne travaille pas comme Lolo. Elle part dans les directs du morguier de Komamogou. Quand vous voyez le morguier là, quelqu'un qui est normal, le saumon a même fait, je ne peux plus mettre la photo. Je voulais prendre Bertrand Saumon, mais ça a raté. Maintenant, je ne peux même plus mettre la photo pour vous montrer à quoi ressemble le clochard de Décom là. Vous connaissez combien de gars bêtis ont déjà tapé ça? C'est son histoire de héros boulot. Tout ça là, c'est la vérité. Elle n'a pas d'argent. Elle n'a rien. Ne voyez pas sa gueule qu'elle fait là. C'est une pauvrade. Une villageoise, comme vous la voyez là. Elle est toujours derrière le morguier. Elle parle là-bas, dit à des comme le mougou que non, tu es beau. Oh, tu es machin. C'est monté, c'est descendu. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Je vous assure. Bertrand, si tu es là, tu envoies ton invitation. Hein? Moi, je ne sais pas pourquoi, voilà. Ou soit tu blaguais, ou bien moi, je ne sais pas, moi. Si tu es vraiment sérieux, que tu veux monter, voilà, il n'y a pas de souci. Hein? Moi, je veux même te taguer parce qu'il ne faut pas qu'après, tu pas dire que, oh, je suis venu dans ton direct, tu ne m'as pas pris, non, machin. Moi, je suis, voilà, moi, je prends les gens, hein? Moi, je prends tout le monde. Te voilà que j'ai tagué. Donc, si tu as envie de venir parler, voilà, tu n'as qu'à te manifester. Voilà, parce que la morale veut quand même que je te prenne. Toi, tu me prends toujours dans tes lives. Tu me permets d'intervenir sans problème. Donc, voilà. J'ai voulu te prendre. Je n'ai pas vu la caméra. Donc, si tu as envie d'intervenir, Bertrand, voilà, manifeste-toi. Parce qu'il ne faut pas que je coupe mon live. Après, tu viens dire après que, oh, machin, je ne t'ai pas pris et tout. Donc, je suis en train de dire que Lolo, c'est l'arachide. C'est l'arachide des gars et Kangla. C'est l'arachide. Regardez les noms que je cite. Les VP de Londres, les Paul Desibia. Ils sont nombreux qui tapent ça là-bas à Yaoundé. Et comme elle a même faim là, tu invites au restaurant après ça, pape, une bouteille de whisky. Il y a aussi un grand là. Le nom du grand là, où c'est chinois quoi. Où c'est chinois, où c'est Yonke, où c'est quoi là. Où c'est chinois, Yonke, où c'est qui. Il y a un grand là aussi qui a une boîte là, il est gérant là. Qui a tapé Lolo, il n'a même pas donné 5 francs. Lolo, c'est l'un gars qu'on tape avec la bouteille de champagne. Tu payes là où tu payes le whisky. Voilà, tu fais ton malin. Tu embarques les conneries, tu pars, tu tapes ça. Après ça, bof, tu chasses les conneries. Et quand je vois des comme le Mougou qui vient comparer Marie Mendy à Lolo, mais je dis, mais c'est le monde, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Moi, c'est incroyable. Marie Mendy est digne. Marie Mendy travaille, elle est formée. Elle a un poste de responsabilité. Marie Mendy te dépasse de comme le Mougou. Tu penses que parce que tu as la monétisation, tu peux parler mal aux gens? Tu penses que parce que tu es monétisé, tu peux humilier cette femme-là? Tu peux humilier ton propre enfant? Tu ne peux pas les humilier tant que je suis là dans Facebook. Tant que je suis là dans Facebook, tu ne peux pas les humilier. Je veux prendre la parole. Je veux les défendre. Tu en as assez fait comme ça. Mais moi, je te dis que tu n'es rien. Tu n'es personne. Ça mouline, Bertrand. Ça mouline cette fois-ci. Mais sinon, j'étais d'abord tagué. J'étais tagué avec Bertrand Chic Saumon. J'étais tagué. J'étais tagué. Je t'ai tagué. Là, je vais te prendre en direct sur le commentaire. En espérant que ce soit la bonne. Hein?
Non, mais ça c'est, ça, c'est à l'époque. Est-ce que Marie Mendy peut encore se mettre avec lui? Tu as vu à quoi il ressemble? Mais c'est un animal. Tu as même vu à quoi il ressemble? Les yeux ont gonflé, les yeux sont rouges. Il est crasseux quand vous le voyez. Mais l'odeur buccale, même quand tu vois à travers l'écran, tu peux imaginer les odeurs. Il n'a même pas de maison. Il dort au canapé, vous vous rendez compte? Marie Mendy peut avoir les conneries comme ça. Marie Mendy peut se placer à côté de Lolo. Laissons les trucs de Facebook là. Marie Mendy ne peut même pas, il n'y a pas match. Lolo ne sait même pas s'exprimer en français. Vous vous rendez compte? Elle ne sait même pas s'exprimer. Elle ne connaît même pas les bonnes manières. Et le morguier vient là. Il pense qu'il va faire tout ça. Et Lolo va penser qu'il est quelqu'un. Tu n'es rien pour Lolo. Tu es un larbin. Tu es la serpillère de Lolo. Voilà. Tu es là pour faire du sale. Et après ça, elle va te ranger dans la petite boîte, te mettre au magasin. Et au garage. C'est comme ça qu'elle va faire. Parce que c'est trop facile. Tu as assez fait du sale sur la toile et personne n'est sorti. Je vais te traumatiser. Tu vois comment tu es en train de devenir fou, non, de comme le Mougou. Je vais te faire ça propre. Je vais te faire ça propre. Ah, je ne peux pas te laisser. Je suis je suis le caillou dans ta chaussure. J'ai parlé ici fatigué que tu es dans mon inbox. Tu es dans mon inbox, tu ne vas plus jamais me voir sur ta page. Ça fait plus de 2 ans que je n'ai pu commenter sur ta page. Toi, tu viens sur ma page pleurer. Tu viens commenter. Et si tu n'as pas honte, tu devrais avoir honte. Oui, Bertrand, c'est en train de mouliner. Voilà. Tu sais que je suis aussi victime de signalement. Hein? Voilà. Voilà. Pourtant, il a même la caméra. Hein? La caméra s'affiche. Je suis en train de te prendre. Ajout en cours. Là, maintenant, je suis en train de te prendre avec présidence des blogueurs de la diaspora. Moi, je ne sais pas pourquoi ça fait comme ça, hein, je te jure. Ah, c'est pas possible. Mais t'as n'est pas facile. Bon. Je ne sais pas. Ou c'est peut-être je suis signalé. Peut-être je suis signalé. Hein. Moi, je ne sais pas. Peut-être c'est Bertrand ou c'est Général. Ou voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut essayer d'envoyer la demande pour que je puisse voir. Moi, je sais pas, moi. Ça me fait de la peine de ne pas pouvoir prendre les gens alors que Bertrand me prend toujours. Ça me gêne un peu. C'est en train de mouliner, mais ça ne prend pas. Ah. Ou peut-être tu dois incliner, ou tu dois incliner le téléphone, ou tu dois faire comment? Alors, moi, je sais pas, je te jure. Soit, je ne sais pas, ou tu appelles sur Messenger. Moi, je ne sais pas, soit tu appelles sur Messenger, Bertrand, parce que ça me gêne un peu de ne pas pouvoir te prendre. Attends, je t'amène. Attends, je te prends sur le tableau de bord. Ajout en cours. Ajout en cours. Ajout en cours. Ajout en cours. En tout cas, moi, je sais que je suis vraiment signalé, donc c'est sûrement pour ça que ça prend pas, que ça ne prend pas. Voilà. Oh, j'aurais aimé que tu dises ce que tu as envie de dire, Béton. Ça me gêne vraiment de savoir que j'ai du mal à te prendre, je te jure. Voilà. C'est en train de mouliner. Hein? Échec de connexion. Ça dit échec de connexion. Moi, je ne sais pas pourquoi ça dit échec. Je ne sais pas si quelqu'un peut envoyer. Quelqu'un d'autre peut envoyer la caméra, mais il ne parle pas. Tu essaies juste d'envoyer la caméra. Je vois si je peux te prendre. Je ne sais pas s'il y a un volontaire qui peut envoyer l'invitation. Je le prends, mais il ne parle pas. Je veux voir si ça va marcher. Ça me gêne que Bertrand ne puisse pas monter dans ce direct. C'est un peu bizarre. C'est très bizarre. Les signalements. Vous n'êtes même pas fair play. Vous venez signaler les trucs des gens. Alors que vous, quand vous faites vos trucs, on ne vous calcule même pas. Voilà.
paix à son âme. Voilà deux personnes qui essayent. L'amour du prochain, coconut, ne parle pas avec coconut. Voilà, je vais essayer d'ajouter coconut, mais ne parle pas. Je vais seulement voir si je peux te prendre. Si je ne peux pas aussi te prendre, ça veut dire que c'est général. Là, je suis en train de vouloir ajouter coconut. Je ne sais pas si ça va prendre. Les gens, s'ils sont sans pitié, vous pensez que vous pouvez m'arrêter? Vous ne pouvez pas m'empêcher de faire, mais même si vous faites quoi, moi, je ne peux pas arrêter. Je vais faire toujours les lives. Hein? Apparemment, même coconut, ça ne prend pas. Hein? Même coconut, ça ne prend pas, là. Ça tourne, à jouer en cours, mais... Ouf, ils veulent vraiment me museler, les gens-ci. Ils veulent à tout prix me museler. Bon, ça ne prend pas coconut. Je vais essayer de prendre l'amour du prochain. Ne parlez pas, hein? Ne parlez pas. Je vais seulement voir si je peux vous prendre. L'amour du prochain aussi. Oui, là, je suis en train d'ajouter. Ça met à jour en cours. Chez l'amour du prochain, ça dit à... Ça dit à jour en cours. Ça dit à jour en cours. Bon, c'est que je vais faire le prochain live. Je vais lancer sur... je vais lancer le direct sur la tablette. Je sais pas. Mais je n'ai plus prendre personne, hein, je vous assure. Ça ne prend personne. Et ça m'énerve. Là, ça m'énerve. Je vois que les gens ne sont pas vraiment fair play. Ils signalent mon direct. Je peux même pas prendre les gens. Ça, c'est la méchanceté, carrément. L'amour du prochain, ça écrit à jouer en coup. Hein. Ouais. En tout cas, vous perdez votre temps. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous ne pouvez pas m'empêcher de vous framponner. Voilà. Il faut être fair play. Oui, quand vous framponnez les gens supportent, on encaisse. Mais vous, en retour, non, vous signalez les pages des gens. Vous signalez les directs des gens. Moi, je ne comprends même pas comment vous faites ça. Soyez fair play. Est-ce que c'est dû d'être fair play? Vous voyez, ça ne prend pas. Ils sont en train de vouloir prendre l'amour du prochain. Ils sont en train de faire à jour en cours. Depuis là, c'est à jour en cours. En plus, c'est la vérité. Hein? Je suis même découragé même de continuer le framponnement. Ce que je vais faire, je vais couper ce live et je vais lancer le deuxième live sur la tablette. Et sur la tablette, je pense que ça va prendre. Je pense que je vais pouvoir prendre les gens. Je pense que je vais pouvoir prendre les gens sur la tablette. Mais c'est incroyable. Ça ne prend pas. Là, c'est clair que la page est signalée. Ça, je suis sûr que c'est parce que c'est signalé. Vous voyez, je n'ai pas pu prendre. Je n'ai pu prendre personne. Hein. Tout le temps, les gens voulaient. Waouh. En tout cas, Bertrand, moi, je ne sais pas si tu vas lancer un live. Hein. Je ne sais pas si tu vas lancer un live. Là, tu vas t'exprimer. Je ne sais pas si moi, je peux monter là-bas, mais bon. J'ai vraiment fait de mon mieux pour essayer de prendre au moins une personne. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas le dernier. Vous savez, j'ai deux directs pour abonner le morguer. Voilà, j'ai la deuxième vidéo que je vais lancer
Voilà, pour souhaiter bonne nuit au Morguier de Com. Donc, rendez-vous à la deuxième vidéo. Merci à tous ceux qui étaient là. Florine Mengue, Mes Chefs, L'Amour du Prochain, Coconut, Corinne. Voilà, Vassy Coccinelle. Bref, merci à tous ceux qui étaient là, qui m'ont fait le plaisir de me suivre. Rendez-vous à la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, je vais la lancer sur la tablette. Ciao, ciao, je vous aime. Gros bisous comme ça là.